Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on va faire évoluer notre découpe laser, la Ortur LM3. Tout d'abord, je voudrais vous dire que cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par Sinis, le site sinismall.com, qui m'ont déjà envoyé cette machine, la Ortur LM3. Je leur ai demandé des compléments pour cette machine. On va les découvrir ensemble. Tous les liens, vous les retrouverez dans la description, juste en dessous. Alors, moi, ce que je leur ai demandé, et pour les essais de coupe qu'on va faire derrière, le système de soufflage, les pieds, et l'axe de rotation. Alors ici, c'est l'axe de rotation qu'on va retrouver pour graver tout ce qui est cylindrique. Donc la gravure de mug, de bouteille, etc. ou de pièces en bois. De nouveaux pieds ici pour la machine, pour avoir deux hauteurs de machine. On va monter ça. La pompe qui va nous permettre d'avoir moins de traces de brûlure sur la machine. Bien, bon, ça y est, voilà ma nouvelle config, j'ai tout installé. Bon, comme vous voyez, avec les pieds dépliés, le mandrin ici en dessous, on bouge le laser et on peut avoir déjà un grand diamètre de gravure. On replie les pieds, on se met plus bas, on a le compresseur, la platine ici de découpe que j'avais déjà reçue avec la machine. Donc là, ce que je vais faire, avant de faire des essais de gravure. Ce que j'ai remarqué, c'est quand on utilise la machine, elle va très très vite, elle est très rapide, ce qui fait que par moment, on peut avoir un décalage. La plateforme est là, la machine bouge un peu au-dessus. C'est un peu gênant. Donc là, ce que je vais créer, moi, c'est une grande planche qui va recevoir tout ça et que la machine, elle sera calée dans cette planche ainsi que la plaque ici en dessous. Comme ça, au moins, j'aurai plus de problème. Donc, on fait ça ensemble et après, on se retrouve pour les essais laser.
Bien, bon, ça y est. Comme vous avez pu voir, j'ai fait le montage sur ma table pour ma découpe laser. Donc ça y est, elle ne bouge plus. Parce qu'en effet, j'avais fait différents tests à différentes vitesses. Et il y a un moment donné, elle a bougé par rapport à la plaque du dessous. Là, ça y est, tout est bridé ensemble. Je n'aurais plus ce problème-là de, à un moment donné de la gravure, elle s'est décalée. Donc vous avez vu deux positions. J'ai la position ici qui est fixe pour cette partie-là. Donc pour la découpe à plat, je relève mes pieds avec mes petites cales ici et sur l'avant. Voilà, ça retombe dans ses crans. Et là, je peux prendre mon mandrin, je viens installer sous la machine et venir faire une petite gravure. Vous avez vu, j'ai fait une gravure sur un bout de bois. Là, c'est du cerisier. Bon, bah, ça marche super bien, ça tient ses promesses, ça va très très vite à installer. On branche l'axe, on lui dit attention maintenant, tu es sur l'axe de rotation. Le petit truc, c'est que moi, je ne sais pas si c'est dans l'outil, je ne l'avais pas vu, c'est qu'on doit déplacer manuellement cet axe ici pour se mettre par rapport à l'axe du mandrin. Ensuite, j'ai fait plusieurs essais de coupe. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Avec le compresseur d'air, la coupe est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je m'explique. J'ai repris mon ancienne planche. Donc vous, je ne sais pas si vous verrez bien ça à l'écran, mais bon. J'ai repris avec des paramètres de 3500 mm différentes, 60, 80 et 100% de découpe. Et bien en fait, alors j'ai toujours la trace de brûlé autour. Hein. Ça, c'est du mélaminé. Ce n'est pas là-dessus que je regarde. Je regarde vraiment plus précisément le trait de coupe. Et bien le trait de coupe est beaucoup mieux avec l'assistance en air. Pareil, j'ai fait un test sur du contreplaqué. Là, cette fois-ci, j'ai arrivé à couper du contreplaqué de 10 mm sans le brûler. Enfin, sans le brûler. C'est noirci, bien sûr, parce que c'est brûlé. C'est le laser qui brûle. Mais avant, je ne passais pas à travers sans l'assistance acide. Et là, ici, on voit bien que là, c'est complètement brûlé. Et dès que je mets l'air, ben voilà, la surface n'est plus brûlée. Du coup, je ne me suis pas arrêté là, j'ai pris du sapin et en effet, là il fait 12 mm, et ben en une passe, ça coupe vraiment. Là j'ai fait deux passes moi parce qu'il restait quelques points à couper, mais en fait ça marche nickel. Moi je voulais remercier une nouvelle fois le site sinismall.com parce que cette vidéo elle est sponsorisée. Vous retrouverez tous les liens de l'ensemble de cette machine et ses accessoires dans la description juste en dessous. Et en plus, il y a un code promo, vous pareil, vous le trouverez dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!